parole de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Il y a une petite exhortation qui va nous amener à comprendre beaucoup de choses. Et après quoi, nous allons prier. La parole de Dieu dans le psaume 37. Bénis ta parole, Seigneur, au nom de Jésus. Que je prie. Amen. Le psaume 37, à partir du verset 4. Jusqu'au verset 5. Nous allons toucher les deux versets. Si vous y êtes, on fait la lecture. Fais de l'éternel tes délices. Très bien, il dit. Fais de l'éternel tes délices. Fais de lui tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Alléluia. Amen. Et il te donnera ce que ton cœur désire. C'est fort, hein? Est-ce qu'on comprend un peu? Réponds le verset. Fais de l'éternel tes délices. Fais de l'éternel tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Ici, nous désirons beaucoup de choses. Qui ne désire pas quelque chose? Amen. Qui? Qui veut quelque chose de la part du Seigneur? Amen. Qui désire avoir les choses de Dieu? Amen. Tout le monde. Mais depuis, on ne voit pas. Ça s'accomplit, on ne voit pas. On demande, ça ne vient pas. David dit, fais de l'éternel tes délices. Il te donnera ce que toi ton cœur désire. Amen. Pas ce que Dieu veut, ce que toi-même tu veux là, c'est ce qu'il va te donner. J'ai toujours dit aux gens, c'est ce que ton cœur veut que Dieu donne. La femme que tu veux là, c'est ça que Dieu te donne. Chacun connaît son genre et son goût. Dieu n'est pas bizarre. Si tu ne fais pas ton choix, pas juste ton goût, ton choix, dans la rue tu vas combattre. Ah, je suis. Si tu es déjà toi, ce que tu veux là, c'est à la maison, tu rentres tôt. Tu finis, 18h de pressé, tu vas à la maison t'asseoir. C'est là. Recommande ton sort à l'éternel. Recommande ton sort à l'éternel. Mets ta confiance en lui. Mets ta confiance en lui. Et il agira. Très bien. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Nous allons étudier les deux versets. C'est une exhortation qui nous fera du bien tout à l'heure. Et il y a beaucoup de personnes qui ne voient pas encore l'exaucement de leur prière. Les gens prient, ils passent du temps, ils vont partout. Ils désirent des choses, ils ne voient pas ça. C'est quelque chose, hein? Amen. Amen. Ouais. David, dans le 35, c'est David qui nous exhorte. Pourquoi? Parce que David fut un ami de Dieu. Dieu dit, voici l'homme selon mon cœur. Pourquoi Dieu dit à David, voici l'homme selon mon cœur? Parce que David savait comment toucher le cœur de Dieu. Donc voici un homme qui a vécu une expérience avec Dieu. Donc il est prêt, il peut nous donner des conseils. Il dit, fais de l'éternel tes délices, c'est tout. C'est des délices, délicieux. Que des délices, donne tout à Dieu. Qu'il soit la première place de ton cœur. Que Dieu prenne tout en toi. Amen. Amen. C'est ça qui nous manque souvent. On n'aime pas accomplir la volonté de Dieu. Est-ce que vous m'avez saisi? Amen. On ne veut pas accomplir la volonté de Dieu. Fais de l'éternel tes délices. On se réveille, on ne prie pas. Avant de dormir, on se rappelle à cause des sorciers. Seigneur, protège-moi. Amen. C'est à cause des sorciers. Sinon, Dieu n'est pas prêt pour lui. Qu'on se rappelle qu'il y a une mamie noire où on va nous mettre. Seigneur, s'il te plaît, protège-moi. Amen. Maintenant, comme c'est le nom de ce. On ne prie pas. C'est-à-dire que Dieu n'est plus à la première place de notre vie. Les gens, ils ne consultent pas Dieu. Ils ne cherchent pas à savoir ce que je suis en train de faire. Est-ce que Dieu est dedans? C'est quand ça se gâte qu'il vient vers les serviteurs de Dieu. Vous ne pouvez pas faire une activité sans inviter Dieu dans cette affaire. Puisqu'il est l'alpha, il est le méga. Or, une personne qui apprend à mettre Dieu à la première place de sa vie, qui apprend à, n'est-ce pas, honorer le Seigneur chaque jour de sa vie, Dieu est obligé de lui donner ce qu'il désire. Parce qu'il dit, j'honore celui qui m'honore. Amen. Amen. Quand une femme vous aime, je parle d'un homme, je pense toujours à elle. Quand un homme manifeste son amour à l'égard de sa femme, n'est-ce pas, femme, tu es toujours prêt pour ton mari. Quand tu vas au marché, tu achètes tous les crabes, les polos. Polo, crabes, escargots, tout ça. Dans le sens, le marché est tombé. Il te donne 500 mètres. Tout le monde est prêt pour toi.
Parce que lui-même, il te manifeste son amour. Mais toi, tu n'aimes pas le Seigneur. Tu as dit non, non, tu aimes ses œuvres, tu aimes voir Dieu, mais tu ne l'aimes pas. Dieu ne voit pas dans ton cœur son amour. Aimer Dieu, c'est de faire sa volonté. Aimer Dieu, c'est de créer de Dieu. Même connaisseur. De faire sa volonté. Faire les ténèbres de délices. C'est Dieu d'abord. Il te donnera ce que ton cœur vise. Quand une femme, oui, quand une femme n'aime pas un homme, on sait ça. Elle est toujours prête. Il est bâti. Elle t'a jamais aimé. Ou bien c'est faux? Amen. Une femme t'a aimé, elle dit, si tu veux, je fais, je ne bouge pas. Il dit là, tu vas prendre un caterpillar pour me chasser. Va prendre vite. Si vous voulez, hein? Il m'en fout pas l'amour là. Mais pas dit. Elle t'a jamais aimé. C'est les femmes que vous aimez, mais quand vous partez dormir, elle ne vous bouge pas. Elle ne bouge pas. Une semaine, deux semaines, trois semaines. C'est qu'elle fait dehors. Ça dit, les délices, aimer Dieu. Quand on aime son mari, on est prêt à le satisfaire. Écoutez-moi très bien. Vous voulez avoir foyer, mais vous n'êtes pas prêt pour entrer dans le foyer. Vous allez maltraiter encore des gens. J'ai toujours dit non. J'ai dit, nous les garçons les possédés. Nous les garçons les possédés. Quand des voyous, vous voyez, c'est vous les femmes qui faites les hommes. Le président français, petit, une vieille, il est derrière la nuit. Tu sais, la vieille a fabriqué. Il dit, c'est elle qui m'a fait. Tu tombes sur une bonne femme, tu deviens un puissant homme. Donc, deviens la meilleure femme, tu deviens le meilleur mari. C'est tout. C'est la femme qui fait l'homme. Nous les deux, on crie, non, donc on n'est rien sans vous les femmes. Sans posséder. On est là, la grosse coupable. Toi, t'es qui, ça va? Une femme qui commence à être prête pour toi, elle commence à construire un foyer. Amen. Tu la vois déjà dans les yeux. Elle commence à payer les assiettes. Elle commence à parler avec toi du foyer. Elle commence à construire. Tu vois en elle une femme. Amen. Quand vous êtes dans des relations, vous voyez déjà. Dieu a créé le cerveau pour réfléchir. Et les yeux pour voir. Amen. Femme qui veut faire foyer, on connaît. Ça ne surprend pas. Et dit chez moi, hein? Il est parti. Il est parti. Tu cries trop sur moi. Tu l'as jamais aimé. Non. Quand on commence à aimer, on ne veut même pas entendre partir. Non. La région vient à côté de votre région. Quand il commence à se positionner, c'est fini. J'ai comme poussé. Il n'y a pas encore des ailes. J'ai poussé. Quand il commence à avoir les ailes, commencez maintenant à rougir dans la maison. Non, ma femme veut partir. Je t'ai jamais aimé. Nous, les garçons, c'est facile de nous dompter. Vous me regardez. Amen. Parce que vous avez vos problèmes dans la tête. Bon film, vous regardez à 19h, 13h. Ça vous gâte. Vos films bizarres, ça vous envoûte là. Et vous dites que tous les garçons sont la même chose. Donc Dieu a créé des faux titres comme ça, quoi. Si un homme arrive à t'échapper, ce qui n'est pas fort. La vieille, on dit non, elle est moche. Le petit est derrière. Comment 39, elle est non, c'est la vieille, laisse les petits. Les petits, ils sont là, ils courent derrière la vieille. Ils savent ce qui est dans la vieille. C'est Michel qui a fait Obama.
Toi, tu veux te placarder sur moi, sur le grain, je me mets dedans, mange. C'est tout. Sauce graine, il y a crabe là-dessus. Mangez. C'est tout ce que je gère. Tu ne construis pas l'avenir. Jamais tu as donné conseil à ton mari, on n'a pas construit une maison. Les rapports sexuels, excusez-moi, c'est rien dans un foyer. Après, ça a des réalités. Vous avez quel avenir? Vous voulez construire quoi? Vous laissez quoi à votre progéniture? C'est ça l'amour. Et David dit, fais l'éternel tes délices. Celui qui aime Dieu, il voit Dieu bonne chose. Donc Dieu est prêt à lui donner tout. Quand tu aimes une femme, elle est prête de tout son cœur. Les femmes se renferment qu'elles constatent que le mari ne fait pas le tout. Les femmes sont cessées en amour. Et ça, je vous tue le chapeau. Ça, vous dites, vous a donné ce secret. Ça, vous êtes sincère. Quand vous aimez, vous ne pensez même plus au matériel. C'est clair. C'est ce qui est vrai. Mais une fois qu'il n'a pas donné l'argent. T'as jamais aimé. C'est petit ce qui te met dans. Pourquoi tu me donnes ça aujourd'hui? Avant, tu me donnais comme ça. Oh, t'aimes pas. C'est l'argent. Elle aime l'argent. C'est pas toi, Zadie, qui l'intéresse. C'est l'argent. Nos mamans Doula, là. Nos papas s'en foutent de ça. Allez prendre 20 000 francs et devenir la meilleure commerçante. Mais qui peut le voir. Vous savez quoi ça? Elle va pas à l'église pour dire non, le Seigneur dit, en parlant là, on gêne pour le foyer. Tout là. Il a mis 6 000 francs, c'est la vie, hein? C'est fini, hein? Il y a combien dedans, il y a sauce dedans. Il y a paille des enfants, tout ça, école. C'est toi, 5 000. Fonds de commerce, il y a tout dedans. C'est pas qui? Alors nous, on a l'église ici, on veut les amis, on veut, elles ne sont pas chrétiennes. Elles sont païennes. Mais elles arrivent à construire un foyer païen. Amen. Toi, tu es chrétien. Tu es là, seulement tu parles. Tu n'as jamais aimé. Une femme qui veut vous fuir, elle ne vous a jamais aimé. Quand on aime, on n'a pas peur de partir, on est peur, on est prêt à affronter le danger. Pourquoi? Parce que la femme supporte que l'homme. La femme supporte. C'est qu'un nom, c'est qu'une femme peut supporter. Non, on ne peut pas supporter. On ne peut même pas petit. L'homme, la femme a attrapé son mari. Il est possédé, pardon. C'est le diable. La femme a envoûté. La femme, pardon. Mais le Dieu va t'attraper. Il est. Tu connais les bédés, les dieux? Ça! Cassons ça! Oh, où les mamans? Tu viens? Je suis possédé, oh! Pardon, maman! De là, le jeu est délivré, maman! Je suis possédé! On est délivré, délivre-moi, je suis possédé! Il a la petite, délivre-moi! Je suis possédé! Je suis possédé! Je suis possédé, oh, tu vois-y! Délivre-moi! La femme a goûté, oh! La sorcellerie est venue, elle est sorcière! C'est elle est sorcière, puis tu as fait. Délivre-moi. Tu as pitié. Le cœur d'une femme. Oh. C'est pour ça qu'une femme, quand elle ne donne pas son cœur, on connaît. Elle est partie. Moi, il m'a dit son papa. C'est pas un foyer, on gagne. Comment un foyer, on gagne maintenant? Tu penses qu'il y a mieux ailleurs? Il n'y a pas. Au moment où ton cœur va le prendre, là, lui, là, ailleurs. Et là, tu vas comprendre. Donc la femme, elle supporte. C'est pour ça que vous avez de nature supporté l'enfantement. 9 mois de grossesse. Il y a crachement des dents. Il y a des humains bizarres, bizarres des dents. Et femme, quand femme, vomissement, il y a tout ça. Vous vomissez des dents, les humains bizarres. Et puis l'enfantement, l'accouchement. Ah! Que Dieu vous bénisse. Amen. Quand quelqu'un réfléchit à ça, il respecte la femme. Amen. L'homme, on est orgueilleux. Nous, là, nous sommes orgueilleux, c'est tout. Après ça, il n'y a rien. On ne peut pas couper oignon. On ne sait pas couper oignon. Aubergine, on ne connaît pas. C'est pour ça qu'une femme qui doit construire la vie d'un homme, on connaît.
le président, le petit, petit, le plus jeune président français, quand vous regardez son histoire, c'est une femme qui l'a fait. Ça veut tout dire. C'est pour ça qu'il faut avoir une femme puissante. Vous allez voir les placards qui sont là. Et pour l'eau. Vous baladez avec Djumblé. Pour des Djumblé. Vous faites son grain des placards. C'est ça qu'on appelle l'avenir d'un homme. Vous ne pensez même pas construire la vie de quelqu'un. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je vous donne le secret. Le jour de l'unité, c'est ce qu'il dit aux gens. Si qu'un homme veut être avoir une bonne femme, il faut qu'il soit bon aussi. Le jour où tu deviens bon, tu auras une bonne femme. C'est vice versa. Amen. Amen. Tu fais enfin quelqu'un. Et c'est toi qui veux partir. Quitter la maison. Parce que tu as poussé les ailes, quoi. La femme t'a jamais aimé. Elle est restée à toi tout le temps. Mais, parce qu'il y a estime et puis amour. Hein. C'est différent. Hein. Quand amour n'est plus là, là l'amour, là, l'estime, là, ça se périme après. Donc tu vois qu'il est, il est grand, il est bien, il peut te faire avancer. Tu le prends, mais c'est pour un temps. Après un moment, tu le vois bizarre, c'est fini. Donc, même il te touche, il t'écrit. Il y a des gens, même, ça c'est un grand signe. Un homme qui va dormir avec sa femme. Et puis de temps en temps, la femme refuse d'avoir. Je n'ai pas dit, parce que la femme elle est période de. Hein, vous connaissez ces périodes. Voilà, des menstrues. Là, on comprend. Mais une femme, elle doit aller avec son mari. C'est vice versa. Parce que la femme n'est pas ta petite soeur. Il faut qu'il explique ça. Amen. Ce qui est couché près de toi n'est pas ta petite soeur. C'est ta femme. Il ne faut pas lui refuser ça. Vice versa. Vous comprenez très bien, parce que souvent, ça crée beaucoup de dégâts dans les foyers. Quand tu refuses ça pendant un mois, deux mois, trois mois, elle n'est pas malade. Eh bien, ça y est. Ça veut dire que l'amour est parti. L'amour n'est plus là. Quand ton mari te dit, ah! Non, laisse-moi. Tu vois que je suis fatigué. J'ai vendu trop d'aubergines. Machin. Fatigué. Trop d'aubergines. Aubergines, la cave, il t'a arraché, tout ça. Ton mari, là, c'est ton petit frère, ton grand frère, ou bien. Amen. Amen. Donc l'amour, là, quand c'est là, tu t'investis. L'homme est la calme, comment il sait où il y a l'amour. C'est vrai qu'il est voyou, il est bandit, mais quand il constate que la femme l'aime malgré ses bêtises, il finit par se plier à deux. Il y a des voyous, des bandits, des délinquants que les femmes ont changé. C'est preuve, c'est l'amour. C'est l'amour. J'ai vu un chanteur de Zouglou, Petit Denis, il a une copine. Avec tout ce qu'il a comme bêtise, mais la fille est toujours avec lui. Il est couché dans la garde-robe, elle le suit. C'est l'amour vrai. Vous comprenez? Donc ici, David dit, fais de l'éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. C'est-à-dire, il faut l'aimer de toute ton âme, de tout ton esprit, et tu verras Dieu lui-même pouvoir. C'est quand Dieu constate que tu l'aimes, tu es attaché à son œuvre, il te donne ce que ton cœur veut. On n'a pas dit ce que Dieu veut, on dit ce que ton cœur veut. Vous comprenez, non? Amen. Donc, quand tu vois une révélation, et puis tu regardes que ton cœur ne veut pas ça, ce n'est pas de Dieu. On va bien saisir? Amen. Hein? Amen. Souvent, ça trompe les gens. Hein? Amen. Le prophète dit. Hein, c'est ta femme. Puis toi-même, tu regardes, hein, ton cœur ne répond pas. C'est pas Dieu. Parce que quand Adam s'est réveillé, il regardait les os de mes os, c'est la chair de ma chair. Il est convaincu que c'est elle. Donc, si elle a une révélation, quand dit c'est ton mari, puis tu regardes, le design est bizarre. C'est pas ton mari. Hein. Parce que Dieu te donnera ce que ton cœur désire. Ah. Et donc, qu'est-ce que tu vas donner? Pourquoi en blaguer les gens ici? D'autres me disent non, comme je suis fatigué là. Tout ce que Dieu donne, je prends. Tout ce que Dieu donne, du bien du côté. Tout ce que Dieu donne. Dieu n'a pas tout ce qu'il veut. Il donne ce que toi tu veux. Ce que tu désires là, c'est ce qu'il donne. Amen. 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 C'est pour ça qu'il faut être patient. Vous avez bien compris? Amen. Mais ce que je veux là, Dieu va me donner. Tu vas venir prendre un gars bizarre dans ta maison. Et toi, bizarre.
Dieu nous aide. Amen. Il a vu la main pour s'amuser. C'est ce que je veux, la Dieu me donner. Amen. Chacun connaît comment, où il a grandi, tout ça. C'est ce que tu veux, la Dieu te donne. Non, Seigneur, je suis fatigué maintenant. On ne se marie pas parce qu'on est fatigué. Amen. Comprends tout. Non. Toi-même, tu dis, voilà, c'est lui-là même qui me convient. Amen. C'est son lit aiguille à exaucer. Que Dieu nous aide. Alléluia. Amen. Donc, quand tu réjouis le cœur de Dieu, Dieu pourvoit tes besoins. Amen. Donc, il y a de quoi s'attacher à Dieu. Il te protège. Le verset 5. Maintenant, il dit, recommande ton sort. On va expliquer le sort. Le sort, c'est quoi? Recommande ton sort à l'Éternel et mets en lui ta confiance, il agira. On a parlé de désir, non? Amen. Le sort, c'est quoi? On a dit que les sorciers, c'est les lanceurs de sort. Hein? Le sort, c'est quelque chose qui est mauvais. Un mal qu'on te lance, tu vis quelque chose d'atroce, quelque chose de bizarre, qui te fait mal. N'est-ce pas? C'est différent de j'ai besoin de quelque chose, donne-moi. Mais bien saisi. C'est différent. On te recommande ton sort. C'est ce que tu vis qui est douloureux, qui te fait mal, qui te fait pleurer là. C'est ça la Bible dit. Il faut recommander ça à Dieu. Amen. Ils sont en train de te persécuter, la sorcellerie. La Bible dit, recommande ça à Dieu. Il ne faut pas aller te confier un fétiche. Ne te confie pas un marabout. Ne te confie pas. On dit, recommande ton sort à l'Éternel. On m'a bien compris? Amen. Non, pas une personne. Quelque chose te fait mal, confie ça à Dieu. Recommande ton sort à l'Éternel. Mais ça ne s'arrête pas là, sur moi. Mets en lui ta confiance. Amen. Le problème c'est quoi? C'est que les gens ils prient, Seigneur, je me confie à toi parce qu'il y a telle chose qui ne va pas dans ma vie. La sorcellerie a bloqué mon mariage, la sorcellerie a fait ça. Mais ils sont impatients. Ils ne font plus confiance au Seigneur. Or, le temps, vous voyez, c'est un autre nom de Dieu. Il y a un temps où on demande à Dieu et puis le Seigneur aimerait que tu lui fasses confiance. Et un petit bobo, non? Dieu l'a même oublié. Non, on lui recommande ton sort à l'Éternel et mets en lui ta confiance. Et lui, il a. Tant qu'il n'y a pas de confiance, il ne fera rien. C'est ce qu'on appelle la foi. C'est la confiance qu'on appelle la foi en Dieu. Or, d'autres personnes n'ont pas ça. Ils sont tellement patients, impatients. Ils sont même pas impatients. Ils sont là. Ils pleurent, plaignent. Tu as prié, non? Dieu va t'exaucer. Tu as fait confiance à Dieu, non? Mais ne promène plus tes regards ailleurs. Ce n'est pas un homme qui va venir. C'est Dieu. Recommande ton son à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Et il a. Très bien. Mais avant toute chose, fais l'Éternel tes délices. Il faut qu'il soit au centre de ta vie. Tu veux dormir, c'est lui. Tu veux tout faire, c'est lui. Quand c'est comme ça, Dieu ne va pas te laisser dans les difficultés. Il va te donner un monsieur, un mari qui va toujours dire, chérie, comment tu vas? Le plus gros parachutement que vous donnez à une femme matin, je t'aime. Quand tu dis ça à une femme, va regarder dans la sauce à midi. Il y a tous les tonneaux là-dessus. Les crabes, poilus, crabes de mer, tout là-dessus. Crabes d'eau douce. Tout là-dessus. Poisson ton. Macharon, brochet. Tu vas même être étonné, tu vois la sauce. Tout est dedans. C'est quand le cœur d'une femme est réjoui, frère. C'est ça, il dit quand une femme prend un bagage pour partir, tu n'as jamais aimé. Nos mamans, que Dieu bénisse. Amen. Nous allons vous célébrer cette année à Zaroko. Amen. La grande fête, ça sera à Zaroko. Amen. Nous les hommes, la laissez-nous pour nous, là, on ne faut pas en fêter pour nous, c'est bon. C'est pour les femmes, on va fêter chaque jour. Parce que les femmes sont bien. Amen. Mais soyez bons pour nous, hein. Amen. Parce que quand une femme est gnani, c'est grave. Si tu vois un grand monsieur, il y a une grande dame derrière. Amen. Voilà. Amen. Amen. On va bien saisir. Amen. Il faut faire de l'Éternel des délices. Il faut que Dieu soit la première place de ton cœur. Ne faites rien sans la volonté de Dieu. Mettez Dieu la première place de votre vie.
Amen. Amen. Quand vous avez une difficulté, le sort, confiance en Dieu. Et faites confiance au Seigneur. Vous verrez Dieu se manifester. Il n'y a pas une personne sur cette terre qui n'est pas attaquée. La Bible dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Quand je serai avec toi pour te délivrer, oracle de l'Éternel. Oracle de l'Éternel. Il n'y a pas une personne sur cette terre qui n'est pas attaquée. Jamais, ça n'existe pas. Amen. Amen. Mais il faudra faire confiance à Dieu. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous donne le meilleur mari. Amen. Et la meilleure femme. Amen. Meilleur en ta faveur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Les choses étaient bizarres. Estelle est là, elle ne pouvait pas. Le décret était déjà signé. Mais le Dieu qui écrit les cœurs va changer. La Hébron Estelle des rangs dans la paix disposer les choses. Amen. Amen. Ce que tu vois bizarre là, Dieu peut transformer ça. Amen. Dieu peut transformer ça. Pourvu que tu fasses confiance à Dieu. Il n'est pas sur cette terre. Il y a Dieu, et Dieu est le spécialiste des cas impossibles. Il peut tout faire. Amen. Tout. Pour que tu lui fasses confiance. Amen. Moi j'ai vu un bébé mort dans le ventre ressuscité. J'ai vu tout sort des miracles. J'ai vu les gens qui avaient le cancer de sang que Jésus-Christ a guéri. Amen. J'ai vu les gens qui dialysaient, hein, qui ne pouvaient même pas laisser deux étapes que Jésus-Christ a guéri. Amen. Donc Jésus peut encore agir. Amen. Sur cela, il faut que tu lui confies ton cœur. Amen. Tu veux prier, c'est lui. Hein, tu veux dormir, c'est lui. Tu veux rêver, c'est lui. Toute chose, tout ce que tu veux faire, mets Dieu à prendre tes places. Et tu verras la main de Dieu se manifester dans ta vie. Nous allons nous tenir debout, s'il vous plaît. Chacun d'entre nous va poser la main à son cœur. Et demande au Seigneur de se manifester pleinement dans son cœur. Nous prions le Seigneur. Nous prions le Seigneur.